Voilà, je sécurise le passage. Sachant que l'eau. C'est un champignon là-haut? Ouais. Sachant que l'eau, j'aurais du mal à m'en débarrasser. Puis. J'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc, on va éviter de se cramer sur la lave. Wow! Ok, voilà. Très bien. On continue. Ah, si seulement je pouvais encore trouver du diamant. Mazette. Ça me ferait bien plaisir. Donc là, ça continue. Peut-être pas bien loin. Ouais, on est carrément dans une sorte de faille. Ouais, et là, ça ressemble bien au bout. Ok, donc là on va le signaler comme ça. Bon, je pense pas qu'on ait de choses très intéressantes là-haut. Je vérifie. Bon, je vois rien de très excitant. Allez, on va repartir. Oula, sécuriser là aussi. Ah, c'est incroyable là que l'eau et la lave coulent l'une à côté de l'autre. C'est assez marrant. Alors là, c'est inexploré. Vive l'eau. Toujours se méfier des résidus. Voilà. Petite torche. Et là, je vais vraiment en manquer. Donc on va en refaire. Voilà, 59 torches. Ça devrait aller. Bah dites-moi, cette grotte, elle est pas extrêmement généreuse. Ah, je regarde un petit peu par là ce qui se dit. Ok. Alors, rien du tout. Du diamant. Rien du tout. Alors, surtout ne pas se tromper de pioche, ne pas se tromper de pioche. Allez, on va éteindre tout ça. Bien. Alors, la bonne pioche, c'est celle-ci. Ok.
Un seul. Et là, j'en ai eu 3. Si je ne m'abuse. Rien d'autre, hein. Rien d'autre. On continue. Un tuyau peut te faire. Et en fer et en diamant, en tout cas, j'aurais pas de quoi me plaindre. Pour le reste, ça aurait pu être beaucoup mieux. Notamment au niveau fight, je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez exceptionnel. Façon de parler, mais quelque chose de captivant. Et pas du tout, pas du tout. Bon, je refais un petit tour. Voilà, remonter. Est-ce que ça vaut le coup d'explorer en hauteur? Ouais, j'en suis pas persuadé. Je vais laisser ma source d'eau ici. Ma foi, ça pourra me servir une fois prochaine, on sait jamais. Donc là, nous sommes au niveau du spawner. Pourquoi je suis coincé? Voilà, non! Oh, 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 oh. Ok, là je suis mal embarqué. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Laissez-moi rentrer chez moi, je vous en prie. Ok, je suis retombé. Ah, c'était pas prévu ça. Ok, bon, on est loin d'avoir tout exploré, hein. Ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Va-t'en, vilain. C'est pas beau. Je t'aime pas. Va-t'en. Toi, c'est pareil, hein. D'accord. Ok. En tout cas, le creeper qui a explosé à côté de moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu un seul instant. Alors. Bon. Retrouver la sortie maintenant. Alors, base spawner, c'est par là-bas. Parce qu'évidemment, je sais plus du tout comment je suis arrivé par ici. Alors, je sais pas si c'est un mal qui touche particulièrement les vieux, entre guillemets, les quarantenaires. Mais on sait déjà que Biloulette est très forte pour se perdre et je crois que je suis largement aussi forte qu'elle. On va faire un concours presque.
C'est par là que j'étais descendu, donc c'est pas par là qu'il faut que je reparte. Encore raté. Bon. Donc là, 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 là. Ouais, je suis complètement paumé, hein. Allez, on va repartir. Squelette. Spawner à squelette est par là-bas. Non mais je vais pas redescendre, c'est pas possible ça. Non, non, j'étais forcément descendu par ici. Donc la sortie devrait se situer dans le coin. C'est pas possible autrement. Alors, les torches à gauche. On va suivre les torches à gauche, hein. Faut que ça serve à quelque chose. Bon, je venais bien de là. Là, c'est sûr. Torche à gauche. Est-ce que j'ai... Ah ouais, j'ai des torches à gauche ici. Ça doit être par là. Et par là. Je serais presque tenté de récupérer le lapis, mais ouais, c'est vraiment pour se faire plaisir et... Non, je le laisse là. Par contre, pas le fer. Torche à gauche. Ok. Voilà, là je retrouve mon chemin. Normalement. Torche à gauche. Ce serait par là. Intéressant. Ouais, je reviens sur le lapis, parfait. Je vais rester enfermé dans cette grotte pour le restant de mes jours. Ça m'agace. Allez, on repart. Bon, cette fois-ci, non, là, je repars d'où je viens. Donc là, aucun intérêt à les visiter. Est-ce que je peux me trouver d'autres torches placées à gauche? S'il vous plaît. Je vais pas mourir ici. Ah, c'est la déprime. Là, entre l'eau, entre l'eau et l'orientation, mais c'est une vraie catastrophe. La sortie est quand même pas par le bas de la crevasse, c'est pas possible. Est-ce que ça pourrait être par là? Ah, peut-être. Pas impossible. Ouais, torche à gauche. Ouais, et ensuite? Oui, ça y est. Je crois. Et voilà. Ouh. Eh ben, dites-moi. Bon, et ben on va repousser ça. Comme c'était avant. Voilà. Waouh! Le spawner est éteint. Par contre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de squelettes en attente. Parce que je me suis éloigné quand même relativement loin. Ouais, ils ont dépopé. Ok, pas de soucis. Alors, qu'est-ce que je dépose ici? Alors, parmi ce qui est fer et or, bah, je vais... Ouais,
je vais faire cuire, hein. Alors, on va commencer par l'or. Là, je suis un petit peu paumé, là, dans mes coffres, maintenant. Voilà. On va laisser ça là. Donc, les diamants. Ça, c'est une bonne pioche. Ah ouais, puis au niveau du fer, c'est vrai que... J'ai récupéré pas mal de choses. Ça, c'est cool. Bon, je vais laisser le seau ici. Les diamants, on va les ramener à la maison, ainsi que la pioche. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Voilà, donc drôle d'épisode. Ouais. Bah tiens, je vais manger mon gâteau. Ça va me réchauffer. Voilà. Et une deuxième part. Ok, donc on en reste là pour cet épisode, comme je le disais. Ça marche toujours. Peut-être une surprise à suivre. Ou sinon, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et nous partirons peut-être enfin à la recherche d'un bastion. Voilà, portez-vous bien. Joyeux nouvel an. Amusez-vous bien. Bonnes vacances et à tout bientôt. Bye bye. Et voilà, je vous avais annoncé une petite surprise. Nous y voici sur une idée originale de mon fils Antoinator. Antoinator, es-tu là? Oui, je suis là. Salut, salut. Eh ben, Bonjour. voilà. Le 31 décembre 2012. Voici un petit bonus. C'est parti. 2013 arrive. Et voilà. 2013 est à notre porte. Antoinator, tu es là? Oui. Hello. Alors là, on a une fontaine. Ouais, une fontaine. Eh bien, écoute, je crois que tu as quelque chose à faire. Sous la lune. C'est bon? Allez, c'est bon. Bonne année à tous, les amis. À nos Bonne année! abonnés, les amis, la famille, etc. Et voilà. Un feu d'artifice, forcément. 1-4-6. Bientôt la 1-4-7. Ouais, t'es jolie celle-là. Où es-tu? Oui, je te vois. Antoinator. Voilà. Fin d'année 2012. Ça y est, c'est planté. Moi aussi. Enfin, presque. Et voilà, Ah, ça c'était recommence. le fail de fin. Ouais, en fait, la partie tourne sur un PC qui est pas ultra puissant. Il est même relativement vieux. Ah, c'est sur quand même sur. Ah, il tient le choc, tient le choc. C'est sur ces belles images qu'on vous dit au revoir. Salut, fiston. Hein? Bonne année à vous, Bonne bonne année. année 2013, et à tout bientôt sur la chaîne. Bye bye!